400 years after Tiber Septim's reign, the beginning will meet the end, and the bloody circle will close in the Empire of Tamriel. The unworthy heirs of the Septim dynasty have allowed the bonds of the Empire to weaken and crack. Uriel Septim, the Seventh, cannot repair what his ancestors ignored. The provinces fight among themselves like neglected children, drunk with rebellion. One indomitable power hides itself, but not forever. Excuse the gloom, but none may know of this meeting. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. He was as loyal a subject, ally, and friend as you are. I did grieve for him, but his spirit does not rest. With a spectral army, he haunts his former kingdom, crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Perhaps you can find the answer and close the marble jaws of oblivion, bringing peace to his soul. I ask this as your emperor. I have one lesser request. Several years ago, I wrote a letter to the Queen of Daggerfall. It never arrived. The letter was of a sentimental and personal nature. If you find and destroy that letter, I will be grateful. Now, my champion, rest well this night, for tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall. Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour l'épopée de Daggerfall, dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est parti pour le deuxième épisode du guide du débutant, dans lequel on va déjà survoler l'interface avant de finir le premier donjon du jeu. Alors, avant de commencer, j'aimerais parler d'un problème technique que j'ai eu, qui m'a fait perdre le perso que j'ai créé dans le premier épisode. Alors, ce que j'ai fait à cause de ce problème, je retrouverai vraiment plus ce perso-là, c'est fini, du coup... j'ai recréé exactement le même perso, et à la fin, il a vraiment à peu près à 2 points par-ci et quelques points par-là. Il a de meilleurs attributs que l'autre, et il a exactement l'équivalent à l'autre au niveau des talents, mais je vous le montrerai quand on commencera. Donc voilà, comme la sauvegarde que j'ai fait la dernière fois a sauté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un perso, je l'ai fait exactement comme l'autre, et après, j'ai sauvegardé exactement quand le jeu commence, dès qu'il nous laisse la possibilité de sauvegarder. Donc, pour retourner dans l'intro qu'on vient de voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un perso rapidement, qui sera juste un perso, on va dire, un perso tampon entre les deux. Et dès qu'on va démarrer le jeu, après cette intro, ce que je vais faire, c'est charger la sauvegarde que j'ai fait, espérer qu'elle va pas planter, qu'elle est pas corrompue ou quoi que ce soit. Et ensuite, démarrer sur la vidéo elle-même. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir l'intro magnifique de Daggerfall, avec des vrais acteurs dedans. On a vu l'empereur et son mage de guerre. Je pense que c'est le mage de guerre de d'Uriel Septim qu'on a vu. On a vu aussi que l'empereur, il a peur du feu. Si vous regardez encore une fois l'intro, je vous invite à retourner voir. Juste avant que le mage, il allume son bâton,
Ce qui se passe, c'est que on voit l'empereur un peu recroquevillé qui a peur de se prendre un éclat ou je sais pas quoi, un éclat de truc d'explosion. Je sais pas si ça lui est déjà arrivé, mais ça lui fait peur. Ça fait peut-être un peu longtemps qu'ils étaient dans le noir et peut-être qu'il voulait pas s'éblouir, mais on voit qu'il est un peu en comme ça et qu'il a pas envie de regarder directement la flamme. Et maintenant que je l'ai vu, moi j'arrive plus à voir autre chose. Donc ça c'est bon, je vous invite à le refaire pour avoir la même malédiction que moi. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit, ce cher empereur? Ce cher empereur, il nous a raconté le pourquoi de la quête principale, qui sera en deux parties. La première, c'est que il y a un an, le roi de Daggerfall est mort sur le champ de bataille de façon honorable, mais aujourd'hui, on doit découvrir pourquoi il revient hanté tous les soirs, les rues de sa capitale, en criant vengeance. Voilà, c'est ce qu'on verra si on se balade dans la capitale de Daggerfall. Ce qu'on entendra, c'est Lysandus, le roi mort, crier vengeance, comme ça. Et il y aura en plus une armée de spectres qui se baladent dans la rue. Donc Daggerfall la nuit, c'est assez chaud à cause de ça. Donc pourquoi est-ce qu'on en est là? On le verra en enquêtant auprès de la noblesse. La deuxième chose que nous a demandé l'empereur, c'est de réparer une petite erreur de jeunesse. Il avait envoyé une lettre à la reine de Daggerfall, une lettre à caractère sentimental et personnel, et il nous demande, disons, de la retrouver et de faire en sorte que son honneur ne soit pas taché par ça. Voilà, on comprend bien, il est limite un peu gêné, il nous fait confiance. Donc on va essayer d'honorer la confiance de l'empereur et de retrouver cette lettre. On va aussi passer par les nobles, et c'est pour ça que je disais au début que la quête principale du jeu se fait surtout par la noblesse. C'est que ces deux quêtes-là, en fait, on va voir que ça passe pas du tout par des guildes ou des choses comme ça. C'est vraiment tout tourne dans Daggerfall autour de jeux de cour et de jeux de nobles entre eux, quoi. Voilà. Donc la dernière chose qu'il nous dit avant de d'éteindre la lumière et d'arrêter avec ces conneries de flambeau qu'on sait jamais comment ça peut finir, on le voit, ça l'inquiète. Il nous dit, eh bien, repose-toi bien ce soir parce que demain tu t'en vas en bateau vers Daggerfall. Et c'est là, à partir de cette information, qu'on reprend au tout début du jeu avec ce texte, juste après l'intro. Que je vais vous lire, je vais vous le traduire là. Et une fois qu'on aura, disons, cliqué dans ce texte, on va vraiment démarrer le jeu, donc ce sera parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous vous réveillez et vous regardez autour de la pièce. Il y a quelques heures, vous étiez en bateau, en route vers Daggerfall, quand une tempête d'une force surnaturelle a fait rage dans la baie d'Iliac, comme un monstre maléfique sorti des eaux. Votre bateau a été détruit, mais vous avez réussi à nager à travers les eaux déchaînées vers un promontoire rocheux. Là, vous avez trouvé une caverne et avez échappé à la furie de la tempête. Vous veniez seulement d'allumer un petit feu de camp quand une coulée de boue vous a enfermé à l'intérieur. Votre peur d'être enterré vivant s'est vite calmée quand vous avez vu qu'un couloir sortait de la caverne. Peut-être y a-t-il un chemin qui mène à la sortie de cette caverne, après tout. Une fois libéré de ces lieux, vous pourrez commencer la quête de l'empereur. Donc voilà, c'est parti, on va cliquer. Ah, oui, alors attendez. Il y a le tutoriel maudit de Daggerfall qui vient nous dire bonjour. Alors en fait, ça c'est quand on démarre, on a ce tutoriel et il faut pas l'accepter parce qu'il est mal fait, il est lourd. Et plutôt que de s'arrêter sur des événements, il va être minuté, chronométré. Ce qui fait que si on joue vite, il va nous rappeler des trucs qu'on a fait. Par exemple, il va nous dire haha, derrière cette porte, il y a un ennemi. Et prépare-toi, parce qu'il est un peu plus fort que les autres. Et ou alors, tiens, c'est le premier rat du jeu. Et en fait, on peut déjà avoir tué cet ennemi et être vachement loin,
que le tutoriel nous dit déjà, nous dit encore, ah tiens, attention, tu vas arriver sur un ennemi. Donc il est pas, voilà, il est pas déclenché par des marquages au sol invisibles comme ce serait scripté dans les jeux modernes. Il est minuté, donc tout ce qu'il va faire dans cette vidéo, c'est m'interrompre et j'ai pas envie de ça. Donc est-ce que vous voulez utiliser ce tutoriel? Non merci. Voilà, donc ça, voilà, j'ai pas touché, j'ai rien fait, on se retrouve face à cette coulée de boue, hein, il faut imaginer un petit peu. On peut bouger avec la souris. On a ce magnifique tronc d'arbre en pur polygone. Et le feu de camp dont on parlait dans l'intro. Donc, vous voyez que c'est plutôt rudimentaire comme 3D, mais on va s'en sortir. Hein. C'est 1996, après tout, ça a 20 ans. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Eh ben, je vais commencer par aller voir un peu, mais... Voilà, les détails et tout ça, d'accord, donc ça, je vais pas y toucher. Je vais faire plutôt load game. Et je vais charger le perso tout à l'heure, que j'ai failli oublier là, voilà, je le charge. Je vais revoir mes caractéristiques, et c'est bon. Vous voyez que la barre de détails, elle est chargée mais à fond jusqu'au bout de l'écran. Et en fait, j'ai appliqué un patch qui est donné avec le jeu dans la version de We Will Land, là, dont je vous ai parlé, que je vous donne dans les commentaires. Et ça nous permet tout simplement de voir plus loin. Parce que la barre de détails, en fait, c'est pas le nombre de polygones qu'elle va gérer, ou les textures, la qualité des textures, mais c'est le brouillard de guerre. Un peu le brouillard comme on pouvait avoir sur Nintendo 64, ou ces trucs comme ça, qui nous empêchent, ou même dans Morrowind, d'ailleurs. Tiens, dans les premières versions de Morrowind, avant qu'il soit modé à ne plus savoir qu'en faire, on avait toujours ce brouillard. Eh ben, en fait, c'est un patch qui permet de changer une valeur dans la sauvegarde pour doubler la distance et avoir un jeu quand même vachement plus agréable. Et je suis content que là, ça ait marché. Donc, on va juste un peu peut-être baisser la musique et baisser les sons pour moi, voilà, parce qu'ils sont un peu forts dans mes oreilles, voilà. Je vais aussi enlever le head bobbing, parce que ça, j'y ai pas touché, j'ai vraiment touché à rien. Donc, je l'enlève... Hop, le head bobbing, c'est tout simplement le mouvement de tête. C'est la caméra qui va de haut en bas quand on marche, histoire de simuler les pas. Mais en fait, ça me donne mal à la tête, j'aime pas trop ça. Le full screen, on le verra après, parce que toute cette interface, elle est sympa. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va vite voir les contrôles, voilà, ça c'est tous les contrôles du jeu. J'ai déjà fait les miens. On peut mettre un joystick, mais aujourd'hui, je le déconseille. Allez mettre un joystick dans DOSBox et on se reparle. moi, je n'irai pas. Mouse. Ce qu'on peut faire, c'est choisir entre une vue, on va dire à la souris, comme on a depuis Morrowind, Skyrim, Oblivion, tout ça, et une vue, une ancienne vue curseur, parce que Daggerfall est entre les deux mondes, on peut dire. Une ancienne vue curseur avec laquelle on se baladera plus comme dans Arena d'ailleurs, et comme dans, on pourrait dire, un dungeon crawler comme Eye of the Beholder, ou alors Dungeon Master, tous ces trucs-là. Tous ces vieux trucs où il fallait aller en haut de l'écran et cliquer pour avancer, ou voire même utiliser la souris en cliquant sur des boutons qui faisaient avancer écran par écran. Donc, on est en 2016, on va se balader avec la vue normale, hein, on va pas se faire de mal. Donc, continue, ça c'est bon, hop. Au pire, si vous voulez une vieille expérience, vous pouvez toujours le faire, voilà, mais pas moi. Donc, continue, ici, bah, je vais encore un petit peu baisser, parce que, hop, voilà, là c'est mieux. Et continue, je mettrai le full screen après. Alors... On arrive du vent, la fameuse coulée de boue, l'arbre, le feu, on se balade un peu, on peut avancer, voilà, bouger normalement, comme straffé, on va dire, comme dans n'importe quel jeu de ce type, en 3D. Et ce qui nous saute aux yeux, c'est le bas de l'écran, et pour vous montrer ça, moi ce que je peux faire carrément dans le jeu, qui est toujours, je vous l'ai dit, entre deux époques, c'est faire apparaître un petit curseur qui va me permettre de cliquer notamment sur les portes pour les ouvrir, sur les containers pour voir ce qu'il y a dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, je vais aussi m'en servir pour pointer des trucs dans le jeu. Ça c'est assez sympa. Je pense, quand j'ai envie de dire, ah, regardez, ici il y a un truc, je pourrais vous le montrer. Donc, en bas, on a notre tête de petit personnage. Je vais vous montrer tout de suite en cliquant sur lui
Ce nouveau build qu'on a fait, donc c'est toujours sans Cressir, c'est toujours un haut elfe de la classe qu'on a créée. Il a toujours 45 de vie. Et par contre, ce qui a changé, voilà, parce que j'ai regardé l'autre vidéo, enfin la vidéo précédente que j'ai fait, il a plus d'intelligence et il a un point de moins en endurance. Voilà, c'est ça qui a changé. Donc, dans les mineurs, on garde toujours ce 17-17-17 qui est important pour la façon dont je vais leveler le premier niveau, mais ça on le verra. Et voilà, et puis si, pour repasser, pour ceux peut-être qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est talent primaire, c'est lame longue, destruction, restauration. Talent majeur, mysticisme, thaumaturgie, coup critique. Et les mineurs, altération, illusion, lame courte. Esquive, nage et étiquette, qui est le parler des nobles. Voilà. Donc voilà, on avait vu aussi, tiens, dans l'inventaire, qu'on avait répondu à des questions la dernière fois. On avait depuis très longtemps gardé une armure, parce que là il commence vraiment, il est sorti des eaux, il a encore un pantalon, une chemise, mais c'est marre. Il a réussi à grappiller quelques trucs, mais c'est tout. Donc on va s'équiper de l'armure, on va s'équiper de la dague d'ébonite, la fameuse dague d'ébonite que nous a donné l'empereur pour service rendu. Donc ça, on va bien l'utiliser au début, c'est vraiment l'arme bien pétée. Donc je la prends, équipe, et après il arrive avec quoi? Des trucs aléatoires, donc une épée courte en fer et une épée longue en fer. Donc au pire, si on a bien levelé comme il faut assez vite, on pourra prendre l'épée. Mais comme c'est du fer, elle va pas pouvoir taper certains ennemis du donjon, et ça la fout mal, alors que la dague d'ébonite, qui est d'un matériau précieux, pourra faire des dégâts aux ennemis magiques. Donc on va voir ça. Je quitte tout de suite. Et je vous parle encore un peu de l'interface. On vient de voir l'inventaire, le personnage. Ici, on a la vie. Contrairement aux épisodes suivants, la vie est en vert et la fatigue est en rouge. Dans Skyrim, c'était l'inverse, dans les autres aussi, quoi. Et le mana, les points de magie, c'est en bleu. Voilà. Donc les options, c'est les options comme quand on appuie sur échappe. Ici, ce sera pour lancer les magies. Il y aura un épisode du guide qui sera dédié. Là, on choisit si on court ou si on marche. On va voir. Ah non, ça c'est la transportation. Donc ça, c'est pour voyager. Autant pour moi. Donc ça c'est le plus important. C'est le mode d'interaction dans lequel on va rentrer. Parce que dans ce jeu, plutôt que d'avoir, comme dans Skyrim, un mode d'interaction intelligent, c'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton interagir, le jeu sait ce que je veux faire. Dans ce jeu, il faut quand même dire au jeu ce qu'on veut faire. Je vais te citer un exemple très simple. Dans Skyrim, si je m'accroupis devant une porte, le jeu comprend que je veux la crocheter. Si je m'accroupis et que j'interagis avec un personnage, il comprend que je veux lui faire les poches. Mais pas dans Daggerfall. En fait, dans Daggerfall, il y a donc ces quatre interactions-là. Je vais les passer en revue. La première, c'est l'info. Et l'info, tout simplement, c'est quand on clique quelque chose sur quelque chose, ça nous dit ce que c'est. Ça va être ceci est la maison de machin, ça c'est l'auberge du poney qui tousse, ça c'est la guilde des mages, et ainsi de suite. Quand on clique sur un bâtiment, ils nous disent ce que c'est. Quand on clique sur un ennemi, ils nous disent ce que c'est. Quand on clique sur un personnage, ils nous donnent son nom. La deuxième, c'est le style, donc c'est le vol. Et c'est avec cette interaction-là qu'on va crocheter les portes et voler les gens. Le troisième, c'est le dialogue. C'est pas forcément utile quand on est face à un personnage, mais face à un ennemi, par contre, c'est comme ça qu'on parle aux ennemis pour les faire se calmer si on parle leur langue. Et le dernier, c'est le grab, donc c'est attraper. Et le mode d'attrape, on pourrait appeler ça. C'est celui qui ouvre les portes, qui ouvre les containers, qui parle aux gens, aux humains en tout cas, et qui, bah voilà, qui fait ces trucs-là, qui va pouvoir actionner les leviers aussi, actionner les boutons. Ce sera le mode principal du jeu. Voilà, c'est, on va dire, le plus versatile de tous. Voilà. Donc après, ça c'est l'inventaire, on l'a vu. Ça c'est la carte, je vais vous la montrer 2 secondes. Juste pour vous dire qu'elle est pas utilisable vraiment pour moi, voilà. Là, c'est la pièce telle qu'on la voit. À fur et à mesure où je vais avancer, ça va débloquer les autres salles du donjon, mais
Je le montrerai dans un épisode plus tard dédié au donjon. On n'utilise jamais cette map, elle est illisible. Ils ont vraiment foiré, et je suis content que dans les épisodes suivants, ils soient revenus à une vision zénithale, on va dire une vision vue d'au-dessus de la map. Sinon, on serait resté avec ces maps affreuses de Daggerfall qui servent pas à grand-chose. Donc, voilà, à la fin, vous voyez, il faut imaginer qu'on a tout le donjon en 3D, on se balade dedans en bougeant comme ça, et on essaye de voir où on est, mais c'est tellement étrange en fait de se balader dans un donjon miniature comme ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir quoi. Donc, moi je l'utilise jamais et donc tant pis. Exit. Ici, c'est pour se reposer. Le petit feu de camp, c'est aussi une touche du clavier évidemment. On peut se reposer de trois façons. Soit on décide de combien d'heures on va dormir, soit on dort autant d'heures qu'il faut pour être soigné à fond. Soit on attend pendant maximum 3 heures, on peut y aller que 3 heures par 3 heures. Et pourquoi est-ce qu'il y a une attente où on flâne, juste on fait que flâner dans les rues? C'est justement que dans les rues des villes, on ne peut pas dormir, sinon c'est du vagabondage et on se fait arrêter par les gardes et on se fait juger pour vagabondage si on dort dehors, plutôt que de dormir dans un hôtel ou dans une guilde. Et du coup, ils ont mis ça, et on peut attendre 3 heures d'affilée, et après, il faut re-attendre 3 heures d'affilée. C'est pratique quand on veut attendre qu'une boutique ouvre, mais sinon, on s'en sert très peu dans le jeu. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi dormir pendant quelques heures? Ce qui est très pratique, c'est que ça nous permet de dormir 6 heures d'affilée. Et en fait, quand on dort 6 heures d'affilée, en se réveillant, les talents qu'on a obtenus se valident. Par exemple, si je lance plein de sorts de destruction, ma destruction elle va pas augmenter tant que j'aurai pas dormi 6 heures. Donc potentiellement, je vais gâcher des sorts réussis tant que j'aurai pas passé mon niveau de destruction. Donc voilà, ça il faut. C'est pour ça que vous allez beaucoup me voir dormir dans ce run. Ça sert à ça en fait. Hein. Et pour passer les niveaux, il faut dormir 6 heures, sinon on level pas du tout. Et le fully healed, on s'en sert après, en général, parce qu'on n'est pas forcément soigné au bout de 6 heures, mais souvent on le lance. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de voir? Et à la fin, voilà, il y a la boussole. Dès qu'on tourne, elle tourne, et ça peut nous indiquer, surtout en ville, où est-ce qu'on va. Donc c'est parti. Ça, toutes ces options sur lesquelles je peux cliquer pour faire comme si j'étais dans un vieux jeu, tout simplement, je peux les faire disparaître en mettant full screen. Et tout faire au clavier comme on le ferait dans Skyrim. On garde nos vies, notre fatigue, le mana, on garde la boussole et on va s'équiper, tout simplement sortir la dague, voilà. Et le dernier truc dont je vais parler, c'est la façon dont on attaque dans ce jeu, parce que c'est pas comme dans Skyrim où on va appuyer sur un bouton et il va commencer à faire une action. Ici, il faut rester appuyé sur le clic droit. Et donc on entre en phase de combat, on va dire. Et si je fais bouger la souris de droite à gauche, ma lame elle va de droite à gauche. Si je la fais bouger de gauche à droite, elle va de gauche à droite. De bas en haut, elle va de bas en haut. Et de haut en bas, de haut en bas. Et en fait, on pourrait se dire, ben tiens, alors lui, il arrive par la droite, alors je fais droite, et puis après je me tourne un peu, je fais gauche, ah tiens, il s'éloigne un peu, alors clac, je fais un mouvement comme ça vers l'avant. Mais en fait, ça marche pas comme ça dans ce jeu. On va dire qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a un jet de dé pour savoir si on touche l'ennemi ou pas, et combien de dégâts on lui fait si on le touche, mais c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est bouger la souris comme ça. Voilà, on frotte la souris, on frotte la souris, et à un moment, l'ennemi en face, il tombe, ou alors c'est nous qui tombons. Mais en gros, les combats, on peut aussi être en face d'un ennemi comme ça, déclencher 2 coups, le voir lever le bras et reculer pour pas se prendre le coup. Mais c'est à peu près toute la subtilité du combat de Daggerfall. Hein. Y a pas, c'est un peu comme Morrowind finalement, on fait que jeter des dés, jeter des dés, jeter des dés. Moi, j'aime beaucoup ça, mais je comprends qu'il y a des gens que ça dérange. Donc écoutez, on a fait assez de temps, je pense, là-dessus. C'est parti, on va faire le premier donjon de Daggerfall et on va tout looter ce qu'il y a dedans et tout tuer ce qu'il y a dedans. C'est parti. Alors, première difficulté, premier combat, le fameux rat qui nous dit si on arrive à taper des gens là, oula, bien, et paf, voilà. Donc, c'est un animal, il n'a pas de trésor.
Ici, je valide, j'interagis avec le loot, le container de loot. Je prends les pièces d'or qui sont dedans. Très bien. Donc, hop. Vous allez voir que ce donjon, j'en parle tout de suite, il va être sur deux étages. Là, on était très bas parce qu'on vient de rentrer dans une grotte. Mais en fait, il y aura l'étage d'en bas, l'étage du haut et la sortie. Donc, tout ce qu'on va faire, en fait, dans ce donjon, c'est fouiller tout l'étage du bas, monter, fouiller tout l'étage du haut et sortir. C'est parti. Là, on entend déjà beaucoup de choses. On va essayer d'avancer un peu. Est-ce qu'on les entend encore? Non, ça va. Je pense qu'il y a eu un... Ah, voilà. Là, on les entend. Ce qu'on entend, c'est des rats et une chauve-souris. Parce qu'elles sont, dans ce dont j'avais parlé dans le premier épisode, ce sort de cercle, de sphère autour de nous, dans laquelle on peut entendre les choses parce qu'on est assez près. Et dans tous les donjons comme ça de Daggerfall, on va avoir ces sons qui peuvent être flippants, qui font une ambiance, mais qui nous indiquent où vont être les ennemis et les ennemis qui approchent. Donc là, je sais que j'approche d'une chauve-souris, par exemple. C'est parti. Elle est là. Paf, paf, et paf, elle est plus là. Elle est morte. Et j'avais dit que là, ici, j'allais tomber sur un ennemi un peu spécial. On vient de l'entendre, il a fait flap. Ça va être le premier ennemi qui... Oh putain, là 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 là. Ah là 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 là. Lui, il est capable de me tuer, donc au secours. Alors ce que je vais faire, comme il est capable de me tuer, et d'ouvrir les portes, petite futée, hein, voilà la référence pour ceux qui l'ont, high five. Et du coup, ce que je vais faire, c'est les sauvegardes. Alors, là, pour avoir évité des sauvegardes corrompues et tout ça, j'ai rempli ras les sauvegardes. Mais à force de jouer à ce jeu et d'avoir des plantages de l'infini, ce que j'ai fait, c'est un système de sauvegarde à moi, qui est assez vieux d'ailleurs, il est assez old school, il date vraiment de l'époque où je jouais à ce jeu en mode YOLO carrément. Donc la première, ce sera la sauvegarde de l'épisode, tiens. Donc on va l'appeler... épisode, là ça va être la fin, le dernier c'était le 01, donc là on va mettre 02, alors 02, voilà, on va faire une autre sauvegarde, ici, dont je me servais avant de dormir, parce qu'on pouvait carrément planter le jeu quand on dormait, mais depuis que je joue à cette version là, ça m'est jamais arrivé, donc au pire, si ça nous arrive un jour, on l'accepte. C'est Daggerfall. Là, je viens de perdre un personnage que j'avais fait avant. Eh ben, tant pis, c'est Daggerfall. C'est un jeu Bethesda. On est là pour ça. J'ai envie de dire, ça fait 20 ans. Les bugs Bethesda, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 25 ans qu'on est dedans. Du coup, je l'appelle Dodo, celle-là. C'est plus simple. Après, je fais deux sauvegardes super importantes. Le save game, donc. Ça, c'est ma sauvegarde que j'appelle avant la quête. Et on sauvegardera sur cette sauvegarde avant de parler à un PNJ qui peut nous donner une quête. Parce que s'il se passe quelque chose qui empêche la quête de se finir et qu'on bug, au moins on pourra revenir avant le moment où il nous la donne. Et ça peut sauver pas mal de temps. Plutôt que de revenir et lui dire « Bon, bah t'inquiète, finalement, je la refuse, on baisse en réputation auprès du gars, enfin, c'est le fiasco, tout ça, parce qu'on a eu un bug, c'est dommage. Je préfère sauvegarder... ça va être surtout des sauvegardes de prévention de bugs. Sauvegarder avant la quête, et sauvegarder aussi... Quand on nous emmène dans un donjon, ce sera une sauvegarde devant la porte, parce que on peut toujours... On peut toujours rentrer dans un donjon qui bug, ou alors on peut avoir envie de faire un reset du donjon. Imaginons qu'un le monstre qu'on doit tuer dans le donjon, il s'est bloqué entre deux murs, ou je sais pas quoi, ou il est introuvable. On peut toujours faire un reset du donjon pour retenter. Donc devant la porte. Devant la porte, voilà. Et les deux dernières, ça va aller assez vite. C'est des sauvegardes que j'utilise, on va dire, pour n'importe quelle situation, donc je vais les appeler save 1 et save 2. Alors, tac, tac. Voilà. Save 2. Donc avec ça, on est plutôt couvert. Là, j'arrive sur un monstre, je vais faire... je vais utiliser save 1, mais je viens de la faire, évidemment. Alors lui, est-ce qu'il va nous tuer? Peut-être. C'est à voir. Alors. Oui! Haha, il nous a tués, bravo.
Eh ben écoutez, voilà, j'avais dit que le problème de ce personnage, c'est qu'il était faible contre la magie. Eh bien, c'est le cas. Voilà, donc, no pain, no gain, on recommence, load save game, on va dire que c'était la save 1, c'est reparti. Alors, bonjour. Oh non, mais pas deux fois de suite. Ah, je l'ai tué en même temps. Deux fois de suite. Ça m'est jamais arrivé. Ça, bravo. Alors, tiens, hop. Tiens, je vais même me soigner un petit coup. Ah bah non, il y a des ennemis à côté. Alors, tiens, un truc. Quand on essaye de dormir et qu'il y a des ennemis à côté, on peut pas parce qu'ils crient tellement qu'ils nous empêchent de dormir. Voilà, certainement. Tiens, tiens. Ah ah ! Voilà, là je l'ai eu, c'est cool. Qu'est-ce qu'il nous donne de beau ? Il nous donne 4 pièces d'or, c'est comme ça. Allez, 4 pièces d'or, tiens. Évidemment, c'est des diablotins. Il nous one-shot et il nous donne rien en retour. C'est génial. Donc, il nous donne quand même dans cette pièce un petit coffre. Un sac d'or dans lequel il y a 58 pièces d'or, donc c'est vachement mieux. On va tout de suite dormir 6 heures parce que... Et on va voir si on a un plantage. Non, on n'en a pas. Et donc... Ah tiens, j'ai du stealth. Du coup, il y avait... Ah oui, j'avais dit que la discrétion augmente toute seule. Là, c'est bien la preuve. J'ai fait zéro discrétion. Et rien qu'en courant et en marchant, j'ai fait de la discrétion. Là, on voit que j'ai un couloir assez long devant moi. Ce que j'aime faire dans ces couloirs, c'est courir et sauter en même temps. Comme ça, bah, j'entraîne les deux. Et ça va plus vite pour arriver au bout. Là, derrière cette porte... un petit rat qu'on dégage, on peut admirer les statues, c'est des éléments 3D dans Daggerfall, ça se refuse jamais, waouh. Et on peut ressortir, donc ici on va arriver en bas sur un voleur qui se demande ce qu'on fait là, paf, ouais bravo, il meurt, oh qu'est-ce que c'est que ça, oh yes, yes, c'est un sabre elfique, et ça c'est rare. Ah, ça c'est rare, c'est bien. C'est bien, 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 bien. Du coup, je le remove. Dès que... Oh là là, il a même un bouclier, mais ce mec, il était pété. Alors, je vais lui prendre son bouclier aussi. Et on voit que il a deux autres... il a deux autres équipements. Là, ma cuirasse de fer, elle est plus 3, parce que c'est du fer. Mais ce truc en cuir, il est plus 1. Du coup... Ce casque, on sait pas trop ce que c'est, mais en fait, il est en cuir parce qu'il est plus 1. Et si j'essaye d'équiper mon perso avec, il va dire, mais votre classe vous empêche d'équiper ceci. Parce que tout simplement, on avait mis dans les désavantages qu'il pouvait pas équiper du cuir, parce que dans son roleplay, il aime pas ça. Voilà. On prend l'or, parce qu'on dit jamais non. Hop. Ici, on prend en plus de l'or. Et ça, on va voir combien ça coûte. On a un pantalon, on en a déjà un. Un dard de scorpion petit, ben pourquoi pas. Et ça, ça vaut que 2 gold pour 0,25 kilos, ça vaut vraiment pas le coup. Du coup, je vais prendre que le dard, voilà. Je me suis pris un tout petit coup, mais ça va, je sais à peu près ce qui m'arrive après. C'est parti, donc, hop. Paf, paf, ici, la petite chauve-souris. Et en montant... On arrive à la grande tablée, voilà, derrière lequel il y a l'archer. Non, c'est un chevalier, tiens, c'est rare que ce soit un chevalier ici. Allez. Ah non, c'était bien un archer, mais il avait pas un skin d'archer habituel. Qu'est-ce qu'il portait sur lui? Alors, un fléau d'armes, bon, pas intéressant, en fer aussi. Là, je passe le butin en revue pour qu'on s'habitue, mais plus tard, quand on aura dépassé l'épisode sur le loot... Et les équipements, je ferai plus ça, je verrai que c'est gris, je passe. Ou au pire, je ferai juste un petit clac, ok, je vais pas vous ennuyer avec ça et perdre du temps. Du coup, ici, 4 pour 0,25 pour une fleur rouge, non, mais on prend le gold. Il a des bottes qu'on aime pas. Ah, mais il a... Et ouais, il a donc une épaulière gauche qu'on va équiper. Elle est en chaîne, donc la chaîne... plus 3, comme le fer, voilà. Et c'était une des types d'armes dont on peut interdire le port dans les désavantages du personnage. Là, c'est du cuir, on le prend pas, et on continue. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tuer deux rats. Allez, et faire un petit dodo, tout
tout de suite, histoire de... Je pense qu'on a assez donné de coups de dague pour être bien. Ah, il y a des ennemis autour. Eh ben, on va faire dodo ici. Toujours des ennemis autour. On va essayer de trouver un endroit où on est safe. Voilà. 6 heures. Et j'ai passé un short blade. Très bien. Jumping et running aussi. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bonjour. Lui, il a popé parce qu'on a dormi. Aléatoirement, on peut être réveillé par des ennemis. Et ça nous empêche, du coup, ça nous réveille qu'il y a un ennemi autour. Et encore plus aléatoirement, encore plus rare est ce qui vient d'arriver. C'est l'épisode de la rareté. Hein. Je meurs deux fois, il y a un ennemi qui pop quand je réveille. Voilà. Ça arrive une fois sur 100. Quand on se réveille, on voit un ennemi devant nous alors que on n'a pas été interrompu dans notre sommeil. Donc lui, il a quoi? Bon, il a un truc en style en acier. Je vais le prendre pour le vendre. Et je vais prendre ce gold. Merci, mon pote. Là, la salle des rats, on a une porte qui nous invite à l'ouvrir, mais en fait, elle monte... là, on peut le monter, ce truc. Mais je vous avais dit que ce donjon, il vaut mieux le faire étage par étage, donc on ne va jamais monter, sauf à une exception près, parce que l'escalier mènera à un cul-de-sac. Je vous montrerai. Donc, on va y arriver bientôt, d'ailleurs. Ici, on arrive dans la grande salle du trône. Qui est... tiens, d'ailleurs, le patch que j'ai mis qui augmente le champ de vision. Sans lui, les petits drapeaux, bah, je vous le montre, qui sont là, on les verrait pas. Voilà, donc déjà, c'est plutôt sympa, ça nous permet d'avoir les grandes salles. Il y a des donjons avec des salles encore plus grandes, vraiment immenses, qui montent très très haut, ce qui font apparaître trois étages. Il y a des trucs de fou dans ce jeu. On les verra jusqu'au bout, ce sera pas un brouillard de guerre, et ça, c'est plutôt agréable pour se repérer. C'est un des gros avantages de ce patch. Donc, cette chauve-souris, au revoir. Et on a deux portes. La première, c'est celle-là. On entend un grognement derrière, mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un ours. Hop. Et les ours, ils sont pas si forts, voilà. C'est un animal, il n'a pas de trésor. Et il gardait une porte qui ne sert absolument à rien. Donc, tant pis pour lui. On va continuer d'avancer. On va... Tiens. On va peut-être faire une sauvegarde, c'est sympa les sauvegardes, hop. Et deuxième porte, entre ces deux flambeaux, là on la voit très bien, c'est la porte secrète. Avec une petite chauve-souris, allez, voilà. Une porte ici, et des portes un peu plus loin, donc on va commencer par celle-là. Je l'ouvre, et on tombe sur un endroit super intéressant, parce que il y a deux ennemis, hop, une chevalier, et un mec à poil, évidemment. Alors voilà, tiens, un archer, donc lui, qu'est-ce qu'il avait? C'est l'endroit du loot, hein, tuer deux ennemis d'un coup comme ça, gratos, c'est plutôt sympa. Surtout que notre perso a 60, c'est les 60 de chance hein, qui nous ont donné le sabre elfique, c'est rien d'autre. Du coup, ici, une clé mort en... Ah, une clé mort en acier, je vais la vendre. Donc ça, je la prends. Ça, c'est des bottes en chaîne, et ben on va s'équiper, on va enfin pouvoir marcher autrement que pieds nus. Je prends ça, ça doit être du fer, on le prend pas, il y a du cuir, et un casque en cuir, donc merci bien. Il vivait de façon spartiate, salut. Ici, des jambières en chêne, je les mets aussi. De l'or, ça se refuse pas. Ici, c'est du fer. Non, je vais pas le prendre. Et, ah, c'est quoi ce casque? C'est un casque plus 1, donc on peut pas le porter. Donc ici, c'était certainement ok. C'est une petite pièce de Daggerfall. Donc ici, on voit que ça monte, on n'y va pas. Voilà, si c'est le conseil que je peux vous donner, c'est si ça monte, n'y allez pas. Voilà. Ici, la seule exception à cette règle, ça va être au bout de ce couloir. Avant, je vous montre que cette salle ne sert à rien. Elle est vide ici. Elle est vide ici. Ok, super. Par contre... En montant ici, on tombe sur un rat et une porte derrière laquelle se cache un trésor. Oh, on va pouvoir s'habiller. Donc, équipe, et on va prendre ce truc, ça a l'air rigolo. On va l'équiper, voilà. On va lâcher notre vieille chemise. Hop, voilà, et ça c'était quoi? Une veste, d'accord, donc... À quoi il ressemble maintenant? Alors dans Daggerfall, c'est pété de vêtements, c'est vraiment la maison du style, quoi. Oula! Ouais, bon, on finira par changer. Allez. Et j'ai laissé quoi? Voilà, j'ai laissé mon ancienne veste. Ah, je peux vous montrer aussi, grâce à l'ancienne veste, comment ça marche. Je vais la reprendre,
Et en fait, vous voyez que là, quand j'active un conteneur, j'ai un coffre ici. Donc là, c'est ce que je possède, là, c'est ce que je peux looter. Mais si je suis là dans une pièce sans rien et que c'est juste le sol, je vais dans mon inventaire et je vois qu'il y a le sol ici. Donc je peux prendre ma veste, la mettre par terre, et quand je sors, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un nouveau container. Voilà. Donc si. Après je vous expliquerai, mais si je quitte le donjon, il va disparaître avec le donjon. Donc ça, faut faire gaffe, les donjons, c'est pas safe. Next, on va continuer sur la salle du trône, on y retourne. On va peut-être même, pourquoi pas, tiens, essayer un truc, on va se reposer 6 heures, parce qu'on a tellement tapé là, je me demande si on pourrait pas passer une short blade. Si, yeah! Alors, pas de bol au niveau. Bon, passage de niveau assez moyen, on a gagné 15 points de vie. 15 points de vie alors qu'on aurait pu en gagner jusqu'à 22, donc finalement ça va, on en gagnait entre 12 et 22, donc c'est pas génial comme passage de niveau, et quand on passe à un niveau aussi, on peut répartir entre 4 et 6 points, 4, 5 ou 6 points, là on n'en a eu que 4, je vais pas jouer contre le jeu, je vais les garder comme ça, et je vais les dépenser, voilà, à chaque fois qu'on passera à un niveau, je garderai, même si j'ai 4, je garderai mon 4. Par contre, si vous avez envie vraiment de maxer votre perso, vous pouvez toujours sauvegarder avant de dormir et recharger à chaque fois la sauvegarde du dodo pour avoir un 6 ici. Mais attention, vous aurez peut-être très peu de points de vie en contrepartie. Donc on peut très bien relancer, dormir 10 fois pour avoir un résultat concluant. C'est un petit peu, c'est un peu de l'anti-jeu pour moi. Je préfère jouer vraiment si les dés sont lancés, eh bien acceptons le sort. J'augmente l'endurance pour augmenter mon multiplicateur, enfin mon coefficient de. Comment on appelle ça? Mon bonus, voilà, excusez-moi, mon bonus de points de vie, étant donné que tous les 10 points d'endurance au-dessus de 50, j'ai un point de vie en plus. Et comme on augmente à peu près de 30 niveaux avant de caper dans ce jeu, ça nous fera allez, une vingtaine de points de vie en plus à la fin, mais c'est 20 points de vie quand même, et c'est pas mal. Surtout que les autres, ils vont pas nous donner plus d'avantages au long terme. Alors, je vais faire un petit dodo. Et on est reparti. Un petit dodo et une petite sauvegarde. Voilà. Alors, c'est reparti. Hop, attention au pilier. En haut de ces escaliers se cache le premier vrai grand grand méchant du jeu. C'est le fameux squelette. Voilà. Donc vous voyez que je recule un peu, je recule un peu. Il peut pas m'attaquer parce que je recule, j'avance, je recule. Et il peut pas me taper. Parce qu'en fait, il a pas la portée et ça l'empêche de me frapper. Mais ça peut être assez embêtant de jouer comme ça. Donc ouais, ça je vais le prendre pour le revendre. Donc c'est selon les cas, là j'avais un long couloir, je me suis dit pourquoi pas. La vraie suite du donjon, elle se trouve dans cette alcôve ici. Dans ce balcon. Et on va pas y aller tout de suite, on va finir de looter cet étage avant de finir l'étage du haut. Déjà l'étage du haut, on va le commencer. Et vous allez voir pourquoi, parce que après je vais vous expliquer aussi comment on grimpe à ce genre de truc, de façon scénarisée et de façon bourrine. Donc c'est parti. On va commencer ici à droite, ensuite on montera cet escalier et on finira par là. On finira dans ces endroits-là après. C'est, disons, des entrées symétriques. Donc c'est parti. Ici, c'est du gratuit. Il n'y a personne à tuer. Donc, 118 pièces d'or. C'est vachement bien. Ça, c'est une chandelle. Certainement que dans le jeu, ils auraient voulu faire qu'on puisse s'éclairer avec des torches et des chandelles. Mais en fait, ça marche pas. Et du coup, c'est du poids pour rien, vu l'or que ça donne. Ici, on monte. Comme je disais, on va de droite à gauche. Hop là, un imp. Un imp qui m'envoie une boule de feu à laquelle j'ai résisté. Ben ça, c'est bien. Il a sur lui 8 pièces d'or, ce qui est pas mal pour un diablotin. Ici, attention, énigme. Alors, vous voyez qu'il y a ces bibliothèques qui ont l'air un peu étranges, vu qu'elles forment un angle, qu'on voit rarement. Et en fait, si je saute un peu, je vois qu'il y a un renfoncement. Du coup, en me tenant ici. Je peux le faire de n'importe où, mais là on le verra bien. Si j'appuie sur ce pupitre, ta-da-da-da, j'ouvre le passage secret.
Alors, je vais aller voir ce qu'il y avait derrière. Il y avait un trésor dans lequel il y a une fleur, qui vaut pas assez pour que je la prenne, et 118 pièces d'or, et ça c'est cool. Voilà. J'ai résisté à un diablotin, je sauvegarde. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on n'a rien du tout. Ici, on continue dans un couloir avec une chauve-souris. Tiens, et tiens. Ah oui, bah vas-y, frappe-moi. Ici à droite, il n'y a pas grand-chose. Et vous entendez une porte qui s'ouvre en même temps, avec un voleur qui l'a ouvert. Et je vais vous expliquer pourquoi il ouvre les portes, ou comment il ouvre les portes plutôt. Tiens, c'est quoi ça? C'est du style. Bon, on va la prendre aussi. Tiens. Ah! Ça, c'est quoi? C'est une cuirasse de fer. Ça, c'est du cuir. Tout le reste, c'est du cuir. Donc, je vais pas plus le looter que ça. Pourquoi il a ouvert la porte, lui? C'est pas sa volonté, en fait. Ce qui se passe dans ce jeu, c'est qu'à chaque fois qu'un ennemi passe près d'une porte, le jeu, il ouvre la porte. Histoire de faire comme si c'était lui qui vous poursuivait. Mais en fait, voilà, c'est juste que le jeu ouvre les portes devant les ennemis. Et ça, on peut s'en servir quand on a une porte verrouillée. On peut tout simplement dire au jeu d'ouvrir la porte en laissant passer l'ennemi devant. Genre, on se fait poursuivre par un ennemi, on va jusqu'à la porte, il passe devant, elle s'ouvre. Mais bon, c'est un peu fastidieux étant donné que dans ce jeu, ce qu'on peut faire, c'est et vous allez entendre, taper les portes. Voilà. Là, comme elle n'était pas verrouillée, ça l'a ouvert tout de suite. Mais en fait, on peut taper les portes pour faire péter le verrou et avancer. Donc ça, c'est vraiment super dans ce jeu, d'ailleurs. C'est tout à fait logique et c'est bien qu'il l'ait mis. C'est dommage qu'il ne l'ait pas gardé plus tard. Même si dans Moro et dans les suivants, on peut ouvrir les portes de façon magique, ici aussi. Mais voilà, ça faisait une utilité en plus, je trouve. Ça fait une action en plus. Ce qu'on va faire, on va faire une petite sauvegarde. Non, pas celle-là, merci bien. Sauvegarde. Voilà. Et on va encore sauvegarder un coup. Et comme j'ai passé mon niveau avec ma lame courte, d'ailleurs j'ai pris un niveau de lame courte en trop, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est m'équiper, clac, de mon sabre. Donc, il a 3, 12. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là. Le blanc est pas le même. Il a 5, 14. Ma dingue en ébonite, elle avait 9, 14. Donc elle faisait 9 minimum. Mais ce qui va être bien avec le sabre, c'est qu'il va faire augmenter la lame longue. Donc c'est pour ça que je m'en équipe tout de suite. Voilà. Le temps qui change d'arme. Voilà. On a une sorte de loading de l'arme. Quand on change d'arme, c'est pas automatique. Donc d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que même en combat, ça va pas être automatique si je change d'arme. Et en appuyant sur la bonne touche, je peux déséquiper le bouclier et prendre un autre sabre. Et je crois que c'est la touche S. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça me permet de changer plus vite d'arme, en fait. Voilà. Une fois que les deux sont équipés, ça va plus vite. Alors que si j'avais juste fait. Eh non. J'avais juste fait. Bon, je me déséquipe de tout. Je prends mon bouclier. Je prends mon sabre. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Voilà. Là, il y a un chargement. On va dire, il se dépatouille dans ses armes. Et enfin. Enfin, il tape du poing sur la table. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça, c'est intéressant. Écoute, déséquipe-toi. Voilà. Et. Non, j'arrête pas d'appuyer sur cette touche. Équipe. Voilà. Là. Ah, il n'arrive pas, il a bugué. Tadadada, merci Daggerfall. Du coup, je load le jeu et c'est parti. Voilà, donc ce qu'on va faire. Non, toujours pas cette touche-là. Excellent. On déséquipe cette dague, on équipe celle-là. De toute façon, vous aviez compris. Bienvenue dans Daggerfall, bienvenue dans le bug. Ici, un petit loot avec quelques piécettes, super. Vous voyez qu'avec le sabre, d'ailleurs, j'ai beaucoup plus d'allonge. Ça, c'est bien utile aussi. Là, on entend un ours, on va aller le tuer. Hop, voilà. On va d'ailleurs ici se soigner. On sait qu'on va passer des niveaux. Allez, je vais les prendre. Il me reste 5 heures à prendre. Voilà. On descend ici. Ben, on change pas d'étage comme ça dans cette façon de visiter ce donjon, donc je le fais pas. Tiens, on pourrait aller voir où ça nous ramène. Et ça va nous ramener, hop, tout à l'heure, voilà, dans la pente. La grande pente bien raide de tout à l'heure. Hop.
Donc, on en était où? On était là. Tiens, c'est quoi par terre? Ah, ma dague! Et les mecs, qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi la dague. Donc, là, on sort et on entend quelque chose qui grogne. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir être? Donc, on sort de l'autre côté. On était passé par là tout à l'heure. Comme ça, on était monté. Donc, ici, ce qu'on entend, c'est un orque. On va aller le voir. Il se balade dans sa petite pièce. Hop, hop. Wow, il est mort. Alors, oh, il a quoi sur lui? Oh, une masse elfique. Et eh ben, ça coûte cher et c'est beau. Donc, on l'enlève. On prend son or. Ça, c'est quoi? Du fer et du fer. Et eh ben, écoutez, super loot. Pas de bol, du bol. Voilà. Bienvenue encore une fois dans Daggerfall. Ça, je vais beaucoup le dire. Voilà. Donc, nous revoilà à monter, à chercher une solution pour monter. Vous vous souvenez du skill d'escalade dont j'ai parlé? On peut l'utiliser pour monter. Si je me mets bien bien droit devant la paroi, alors bien bien droit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment, je peux plus trop, voilà, je bouge plus trop, voilà, quand je frotte dessus, on va dire. Et si, quand on marche sur une paroi, normalement, quand je marche sur une paroi, tout ce qu'elle va faire, voilà, c'est... Et là, comme elle est en biais, ça va pas marcher. Tout ce qu'elle va faire, la paroi, c'est me faire circuler dessus. Là, j'appuie que sur la touche avant. Mais si je suis exactement dans le point d'équilibre, je vais commencer à monter. Voilà. Donc ça, c'est super utile pour se sortir de donjons bien difficiles. Je vais redescendre en me faisant un peu mal. Voilà. Et en fait, ce qui est un peu le côté... le côté donjon unique de celui-là, c'est que en fait on pouvait monter sur le trône et actionner ce levier caché pour en faire un ascenseur. Voilà. On attend, et nous voilà. Donc ici, on va finir. Ah, il y a des ennemis pas loin, donc ça doit être le rat qui est juste là. Cette porte, elle sert à redescendre. Et il y a ce petit rat, voilà. Allez, voilà. Je peux toujours pas. J'aimerais bien quand même me soigner et sauvegarder avant d'avoir le gros combat qui suit. Bah écoutez, oh, tant pis. Save. Save 1. On va voir ce que ça donne. Alors, ce qu'on entend en fait, c'est un diablotin, une chauve-souris et un rat. Le pire, c'est qu'on peut les reconnaître en fait. Quand je vais ouvrir cette porte, je vais certainement me prendre un sort de diablotin. On va voir ce que ça donne. Alors. La chauve-souris, on la commence, et... Oula! Eh ben, dis donc. Voilà. Eh ben! Non, ne me tue pas! Voilà, très bien. Tiens-toi. Ouh! Ok, donc presque plus de vie, mais de la vie quand même. Ici, je prends ces quelques pièces d'or, et je vais essayer de me soigner. Non, il y a des ennemis, donc je me casse. Allez, salut. Hop, hop, ici, ça devrait être bon. Toujours pas, eh ben dis donc. Dans. Non. Oh le mec, vas-y. Où est-ce que je vais aller? Je vais essayer de descendre par là. Tranquillement, on va aller se planquer. Voilà, et là, jusqu'à ce qu'on soit complètement guéri. Hop, 8 heures quand même, vas-y donc. Donc mon running a augmenté, ça c'est cool. Parce que ça va moins me fatiguer. Quand la fatigue tombe à zéro, on s'écroule par terre et il y a du temps qui passe. Donc, et je crois que la fatigue régit aussi la chance de toucher, mais ça je suis pas sûr du tout. Donc ça c'est à vérifier. On va là où j'ai tué le diablotin et les deux animaux. C'était la sortie du donjon, mais on va continuer à explorer avant de sortir. Ici et au fond, on a un combat encore assez intéressant. Un nouveau squelette. Bonjour. Non, me tape pas. Non, aïe. Alors. Allez. Ah ouais, voilà. Donc, ça c'est du style. Ouais, c'est du style. Ça c'est des pièces d'or, je prends. Et les bâtons, on sait jamais ce que c'est. Là, c'est du fer, d'accord. Donc, ah, son truc en acier, je vais le prendre pour le revendre. Là, on voit que je porte pas mal de trucs. Ce qu'on peut vérifier, c'est dans l'inventaire, non pas dans l'inventaire, mais dans la fiche du perso, l'encombrance. Voilà, je suis à 72 kilos sur 105 que je peux porter. Donc, c'est pour ça que je loot pas tout ce qu'il y a depuis le début, je serais déjà surchargé. Hein. C'est parti.
on va finir dans la dernière salle, une salle un peu spéciale que j'aime bien. Hop, bonjour, au revoir. Ah, hier, yeah, ça c'est sympa. Celui-là, c'est un bouclier qui fait plus 2. Et celui-là, c'est le bouclier qui est plus grand qui fait plus 3. Le bouclier qui est plus petit que celui-là, il fera plus 1. Et le bouclier qui est plus grand que celui-là, il fera plus 4. Et en fait, on se moque de la matière dans laquelle ils sont faits. Voilà, c'est une des particularités. C'est que pour les boucliers, et seulement pour les boucliers, on se moque de la matière. Donc, je l'équipe. Et le seul truc qu'on paye, en fait, c'est que pour plus 2, il pèse 4,5 kilos. Oh, mais il est encore plus petit parce qu'il est... Ah, je sais pas pourquoi il est plus petit. Il est plus léger, c'est rigolo, ça. Bon, on a eu du bol. En général, c'est exponentiel, limite, donc je suis très content. Oh, et là, on a une cuirasse en acier et des bottes en acier, donc notre plus 3 et notre plus 3 ici, ils vont être remplacés. Oh, et on a même une épaulière. Oh, c'est vachement bien. Une épaulière en acier plus 4, on équipe. Et l'épaulière qu'on n'avait pas, on l'a trouvée en chêne. Et ben ça, c'est nickel. Donc ça, on avait dit que c'était en acier. Et ça, c'est le petit. Il coûte 1 kilo, il fait plus 1. Voilà, 1 kilo plus 1. 2 kilos, 4 kilos plus 2. Et celui-là, normalement... Ah, je l'aime bien, ce bouclier, du coup. S'il est léger et tout ça peut être super sympa. Super loot, vraiment. Merci. Alors, ici... On la voit pas forcément, quand on connaît on la voit, mais en fait, voilà, il y avait une porte et un squelette derrière. Un squelette qui aime pas être dérangé. Allez mon petit bonhomme. Voilà, qu'est-ce que tu portes? Du l'acier, du iron, et ben je vais prendre ça, et puis je vais prendre ça, si je suis pas trop surchargé. On va refaire ce coup de la porte là. On la voit maintenant qu'on sait qu'elle est là, on la voit, mais encore que, voilà, si je me balade devant, il faut vraiment la voir. Pour voir qu'elle est là, ce qui est sympa de faire dans les donjons, c'est de passer la souris et de cliquer comme ça. Et à un moment, il va dire, tiens, vous êtes trop loin pour actionner ce truc. Et bah, ça voudra dire qu'on est tombé sur une porte, et en effet, elle était là. Mais il faut bien faire attention à un bug du jeu, c'est-à-dire que les feux, ils font aussi ça. Donc je peux très bien me balader sur un mur, tomber sur ah oh, vous êtes trop loin, y aller, et me dire ah bah elle est où la porte? Ah bah y a plus de porte. Et quand j'arrive près du feu, je peux pas l'actionner. Donc il me dit you are too far away, vous êtes trop loin, bah il me le dit pour rien. Sympathique. Ça me rappelle la cuisine du McDo, ça. Bleh. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous reste à faire. Tout ce qu'il nous reste à faire finalement, c'est à sortir. Dans la salle du squelette, il n'y avait rien du tout. Ici, il y avait le squelette au bout d'un couloir. Hop, hop, et hop. Je fais un peu de saut, tiens. Faut que je me rappelle de sauter. Je saute surtout en ville, en général. Hop, hop. On arrive dans la salle des trois cadavres. Avec cette fameuse porte, très importante. Il faut bien la reconnaître. Mettez-vous là dans les yeux, parce que... Cette arche en pierre avec un crâne dedans et des petites herbes ici, c'est toujours à ça que ressemble la porte de sortie d'un donjon. La porte qui ramène à la carte du monde dans un donjon, elle est toujours comme ça, et elle est aussi toujours comme ça dans les palais des nobles parce qu'ils sont considérés comme des donjons. Et ça peut vraiment... c'est la liberté. Voilà, parce que quand on a passé 3 heures dans un donjon à tourner pour rien, et qu'on retrouve ce truc, on se dit, ah ouais, super, enfin te revoilà, ça fait des heures que je t'avais perdu. Et elle est tellement importante, hein, que quand on... Là, je l'expliquerai dans l'épisode sur les donjons, mais quand on rentre dans un donjon dans Daggerfall, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met une marque de rappel ici, et de téléportation, et on se retéléportera ici dès qu'on aura un problème, en fait. C'est le sort de téléportation, c'est pour ça que j'ai mis autant d'écoles de magie et de choses comme ça, c'est qu'elle est très importante. Voilà, bah écoutez, je vais faire un petit dodo, je vais sortir. Un épisode peut-être un peu plus long que prévu, mais qui m'a bien fait triper. On va sortir. On va. Oh, on entend des oiseaux chanter dans les arbres en pixels. Waouh! Donc on arrive dans la nature. Une porte de donjon, ce sera toujours, alors le plus souvent,
quand c'est un donjon comme ça, en pleine nature, qui n'est pas un grand château, une tour ou un machin un peu joli, ça va toujours être un tumulus comme ça, avec une porte au milieu. Voilà, ça, il n'y a pas de secret. C'est à ça que ça ressemble dans ce jeu-là. Je peux vous montrer que le donjon a été reseté. En re-rentrant dedans, tout simplement. On va quand même sauvegarder avant parce qu'on va retomber sur un machin. Un diablotin. Ah mon dieu, un diablotin! Voilà. Donc merci les mecs. Voilà, tout le monde est revenu. Et tout le monde, vraiment, le donjon, il est remis à zéro. Donc, on peut tout à fait... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une ambre. Oh, mais c'est un objet magique qui vaut 1420, mais j'ai bien fait de rentrer. Eh ben, j'allais dire qu'on peut très bien refaire le donjon à l'infini au début pour looter des trucs extraordinaires comme ça, mais que ça prend du temps. Et eh ben là, j'ai eu encore un coup de bol. Donc cette sauvegarde, j'espère qu'elle va rester. Et c'est cool. Du coup, eh ben, je la prends, je la ferai identifier plus tard, et c'est très très bien parce que ça me permettra de faire identifier un objet dans les tutos dédiés. Allez, c'est parti. Hop. Ça, c'est de l'essence de quoi? De spectre. Ça vaut 80, je le prends. Hop, et je prends ces petites pièces d'or. Je vais pas relooter tout le donjon, évidemment. On va sortir. C'était juste pour vous montrer le reset. On entend déjà même les chauves-souris dehors. Je sors. Je regarde l'infini comme ça. Et je fais ma sauvegarde de cet épisode. Donc c'est épisode 2, celui-là. Ouais, c'est épisode 2. Hop, oui. Et bah, tout ce qui me reste à faire, c'est vous remercier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!